Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur StarCraft 2. Oh yeah! Petite information, vu que nous approchons de la fin du jeu, enfin, techniquement nous sommes à la fin du jeu, sauf que nous n'avons pas fini les missions du cristal de Zeratul. Donc on va se concentrer là-dessus pendant, pendant le temps qui reste, quoi. Tant qu'il y a des missions du cristal, bon, on va les faire avant de faire la dernière mission qui est sur Char et donc la fin du premier StarCraft Wings of Liberty. Enfin, bref, voilà, donc tout de suite, allons direct au bar parce que là j'ai commencé au laboratoire. Et hop, Ticus, comment que ça boum? Le premier truc que je vais faire en sortant de cette armure, c'est... Ah, je préfère épargner ça à vos petites oreilles fragiles. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Non mais c'est bon, j'ai tout compris, hein. Non mais voilà, Vous avez l'air tourmenté. Vous avez été regardé dans le monde des esprits et vous avez appris un truc que vous n'aimez pas. C'est Kerrigan. On dirait que le maître esprit a transformé Kerrigan pour libérer les Zergs d'autre chose, quelque chose qui voulait qu'ils détruisent les Protoss. Mais ça a dû foirer. Tout s'est embrouillé. Et maintenant, quelque part, il y a quelque chose qui veut tous nous détruire. Zerg. Protoss. Ces espèces sont puissantes. La chose capable de jouer avec leur destin doit être d'une force terrible. Oui, tout à fait d'accord. Chep. Oui, chep. Alors, donc c'est fait, on a fait Ticus et Tosh, on va aller faire un tour du côté de la télévision pour écouter les infos de notre cher Donny Vermillion. Oui. Ce soir sur l'UNN, enfin un de autre Kate monde Lockwell. En rébellion ouverte et l'empereur Mengsk refuse toujours les demandes d'interview. Le Dominion est-il en train de s'effondrer autour de nous? Si je ne peux pas me rendre maître de ce secteur, qu'il disparaisse en flammes. Si vous voulez mon avis... Oh! Mensk est dedans jusqu'au cou maintenant. Qu'il y reste. Oh, coupure instantanée! Oh là là! Comment on cache l'information? Ouh, j'adore comment elle danse à chaque fois. Ok, alors, tout de suite, on passe à l'armurerie. Oh! Hey! Armurerie très bien. Armurerie, pardon. Très bien garnie, j'ai envie de dire. Hein. Toute cette technologie. J'ai regardé les enregistrements, tu vois. Ces enfoirés de Protoss, ils sont encore vachement en avance sur nous. Il y a des trucs qu'ils arrivent à faire, j'ai du mal à y croire. M'en parle pas, et ils ont appris de nouveaux tours depuis la dernière fois que j'ai eu affaire à eux. Enfin, je veux dire, depuis quand ils arrivent à transférer des gars comme ça dans tous les sens? Je croyais qu'ils avaient au moins besoin d'une sorte de portail pour ça. Pas n'importe où, ils ont besoin d'un pylône ou d'une source d'énergie à proximité. Mais ils ont quand même bien bossé pour améliorer leur technologie, comme nous. Ouais, enfin voilà quoi, il faut quand même un pylône, hein, ou alors un petit vaisseau qui est là pour remplacer un pylône et faire un champ d'énergie quoi, bref, c'est technique, hein. Alors, on va voir ce qu'on peut acheter, on a 150 000 de fric, on va voir ce qu'on peut en faire. Oh! Ah oui! Sinon il y a ça, ah oui j'avais vu ça aussi, ouais. Il y a la capacité matrice défensive, oh ça sera... Ça c'est excellent ça. Mais j'hésite entre celui des Banshee et des... J'hésite. Banshee ou alors cuirassé. Je pense qu'on fera plus de souvent des Banshee. Ah j'hésite, hein. J'hésite. Ouais allez Banshee. Ah mais quel con j'ai fermé. Mais suis-je bête? Acheté. Voilà. Nickel, c'est parti. Ben on retourne au labo, hein, écoutez. Ah non, passerelle. Faut que j'aille parler à l'autre. Je sais même pas comment interpréter cette dernière vision du cristal, Matt. Zeratul essayait d'en savoir plus sur la fin de l'univers. Mais cette fois, il était sur Ayur. Ayur? Qu'est-ce qu'il y cherchait? Zeratul, sur Ayur. Il cherchait à savoir pourquoi le Maître Esprit avait décidé de créer la Reine des Lames. C'est elle qui va détruire l'univers? Non, c'est justement ça. Je crois qu'elle est la seule à pouvoir le sauver. Ah, ok, ça s'éclaircit. Ah là là, c'est pour ça que la nouvelle extension World of the Sworn prend tout son sens. Et qu'on est aux côtés de... Bah, des Zergs, hein, finalement, de la Reine des Lames avec Kerrigan. Ok, bon, bah, s'il n'y a rien d'autre, c'est parti pour Zeratul.
Vous devez voir ce que le maître esprit a observé dans la fin de mon peuple et de toute chose. Tel est notre destin si Kerrigan venait à mourir. D'accord. Ben, c'est parti alors, qu'attendons-nous ? J'ai envie de regarder ce qu'il peut y avoir dans la tête du maître esprit. Mais si Kerrigan est impliqué, il faut que je le sache. Oui. Il faut absolument que tu le saches, Jean-Guy. C'est très important. Sur un monde sombre et distant, les Protoss livreront leur ultime bataille. Leurs héros se rassembleront. Leurs troupes se regrouperont. Et ils iront à la mort avec bravoure. Mais ils mourront bel et bien. Et mes ergues seront les esclaves de l'hybride. Tous s'inclineront devant la puissance du déchu. Ah, c'est lui l'hybride. Ouais, enfin voilà quoi. Moi je dis, voilà, il suffit, genre, tu vois, tu t'attends qu'il dorme, tu lui mets un petit couteau, bien planté dans le dos, et c'est fini, et ça meurt tout de suite, ces merdes-là, hein. Faut pas croire, c'est qu'un insecte, après tout. Enfin, à la limite, là, c'est un insecte protos en même temps, donc bon, hein, voilà. Les hybrides sont très résistants, il faut une importante puissance de feu pour les tuer. Oh, putain, je sens qu'on va devoir en affronter une tonne, là. Enfin, normalement, il est censé y en avoir qu'un, donc c'est pour ça. Ou alors, il peut se démultiplier, mais bon. Waouh! Frère Protoss, écoutez-moi. Le crépuscule est tombé pour la dernière fois. La galaxie brûle tout autour de nous. Les Terran ont été consumés. Nous sommes le dernier rempart contre l'ombre. Mais si nous devons affronter notre fin aujourd'hui, alors nous le ferons dans l'unité! Ah oui, je suis d'accord. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc archive? Déjà, ça sent bon. Parce qu'on a la masse d'armée, ennemi tué. Alors attendez, ça risque d'être sympa ça. Est-ce qu'on a de quoi produire? Ouais, on dirait. Bah c'est parti alors, allons-y les mecs. On a deux mines. Deux gisements, deux nexus. Par contre, là, je trouve une qu'à 35 FPS, c'est pas génial. Bon, j'espère que ce sera assez fluide quand même. Ennemi tué. Alors, je sais pas où on doit aller. Vénérable, la chambre est prête. Protégez-nous pendant que nous préservons notre savoir pour ceux qui pourraient nous succéder. Il ne faut pas qu'ils reproduisent nos erreurs. Ah ! Ok, alors eux, c'est des espèces de mages mystiques un peu chelous. Qui vont transmettre leur savoir dans une archive bizarroïde. Ok, alors les ergles, ils sont là. Les ergles. Bon, attendez, on va plutôt rester ici. On va voir ce qui se passe. Alors, protéger l'archive Protoss, ok. Bon, pendant 24 minutes, ok, ça c'est fait, on va attendre 24 minutes. Tuer 1500 troupes ennemies. Ouais, bon, à mon avis, ils vont envoyer la masse de zerglings, hein, faut pas s'en faire, hein, vous inquiétez pas. Défendre jusqu'à la mort du dernier Protoss. Notre glorieuse flotte. On va faire la masse d'immortels, vous allez voir. Amiral Urun. Quand l'ennemi attaquera par les airs, nous aurons besoin de votre soutien. Tout à fait. Oui, nous aurons besoin de votre soutien. Urun. Ah, ça a l'air sympa. Bon, bah c'est cool alors. Là, on a la masse de troupes. Et on va faire on va faire tout, on va faire des phénix. En fait, on va produire la masse de tout, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. On va faire des phénix, des choses comme ça. Oh. Mes hybrides ont son épreuve. Et c'est maintenant au tour des derniers Protoss de remplir le leur dans la mort. What the fuck? C'est qui lui? Encore un taré, oui. Ok, bon, bah ça produit plutôt vite, je suis content. Toujours plus de phénix, immortel. On a deux gates, mais je suis con, on va pouvoir... Ah oui, non. On va faire beaucoup de stalkers parce que
C'est ça qui est plutôt puissant en général. Je suppose qu'on peut construire. Ouais, voilà, on va rajouter des guettes, vous allez voir. Tac. Alors le maximum, bien sûr, on essaye d'optimiser. Voilà. Ça c'est fait. Ok, on va le laisser construire et on se fait attaquer. Wouh, wouh, wouh. Reculez, reculez, reculez. Laissez les tours attaquer. Voilà. Parfait. Ok. C'est quoi qui nous... Ah merde. Ah oui. Oh, j'ai une putain d'idée. Vous allez voir, ça va être sympa. On va prendre cette petite prompt. Normalement, je lui dis d'aller là, ouais. On va aller le faire aller ici. La petite prompt, vous allez voir. On va lui dire... On va les construire la masse de tourelles. Nous devons réagir rapidement. Notre vous allez voir ici. Hop, voilà. Là, ils passeront plus, ces espèces d'enfoirés. Et je suis sûr qu'ils vont plus jamais passer par là, tu vas voir. Je vais me faire couiller, mais... Non, en fait, ouais, on va plutôt... Hop, ça, je me gourre. On va plutôt se concentrer ici, niveau tourelle. Ouais, deux, ça devrait suffire. Et ils ont des putains d'ultralisques. Et je me suis bloqué. Annulé. Voilà comment se bloquer. Vous avez la réponse. Je vais rajouter. On va rajouter des tourelles. Tac. Hop, on ramène tout le monde ici. J'ai dit tout le monde, les mecs, hein. On n'a pas en retrait. Ah ouais, ça par contre, ça va me faire très très mal. On va reconstruire les tourelles endommagées. On va en mettre 3, ouais, ça devrait suffire. Ok, c'est bon. Et donc, dans la logique de la chose, leur prochaine attaque devrait se trouver ici. Donc, on va tout de suite anticiper. Oula, j'arrive plus à parler, ça commence. On va barrer la route avec des tourelles. On va faire la masse de tourelles. Attends, la technologie pro... Oh, le con. Oh, le con. Oh, je suis vraiment stupide. Attendez, j'ai mal fait mon... Non, 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 hop. J'ai failli la rebloquer. Merde, 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 recule, recule. Wow, wow, alors là, ouais, par contre... Il ramène le gratin, le gratin, le gratin. On va tout mettre en gates. Tac. Toujours plus. Faut pas que j'oublie de produire, hein. Ils ont tout pété déjà, putain, ils sont sérieux. Ça, on va les mettre là. Comme ça, c'est fait. Pareil, les... Où se cachent nos ennemis ? Alors, j'aurais peut-être une petite idée, mais... Ok. Vous n'avez pas assez de minerais. Ok, ça, c'est fait. On a produit, on a bien produit même. Là, ça va, je suis satisfait. On a une bonne économie. Enfin, voilà quoi, ça va, c'est pas... Bon alors maintenant ils vont encore attaquer ici. Alors la probe elle est où cette putain de probe? Ok alors la probe, tu vas nous construire la masse de... la probe. Oh, je sens que ça va être un truc dérolasse. Ah mais non, c'est bon, c'est les hybrides. Normalement, j'ai... Attendez, c'est pas ça, non? Attendez, j'ai peur, là. Ah si, voilà, bah voilà, j'en étais sûr. Des hybrides. Des hybrides dégueulasses. Et ils vont péter mes tours qui sont à peine finis. Ah, oh, c'est dommage. C'est dommage, je vous dis. Ah, quoique, j'ai eu de la chance. Elles ont quand même pu spawn. Ouais, par contre, les hybrides, là, c'est même pas la peine, les mecs. Et voilà. Et voilà, les amis, voilà quand... Merde, non, c'est pas ça. Vous avez besoin. Eh, la petite probe. Oh, on va reconstruire. Tac. Les tourelles. Oh, t'inquiète, c'est qu'un détail, Jean-Marie. T'en fais pas.
Par contre, va falloir faire très attention parce qu'ils vont se ramener à gauche et j'ai encore oublié de mettre des tourelles et elles vont se finir quand ils vont se ramener. Voilà. La preuve, on va la mettre sur le côté. Comme ça, elle sera toujours... On l'aura toujours sur la... sous la main. Et j'ai l'œil qui me pique. Les phénix, ils sont là, ils attendent. Oh. Ah ouais, ouais, ça faut faire gaffe. Ah, faut faire très attention. Bah tiens, la probe. Puisque la probe, elle a rien à foutre. Non, vous, vous barrez. Tac, tac. Eh, hey, mais ils sont résistants, dis donc. La probe, elle va continuer. Mais des stress, c'est pas grave. Voilà. Ah merde. Ah ça va falloir jongler entre les deux. Mais encore mes tourelles, ça va. Ok, bon ça va, ça se présente. On est déjà à 300 unités tuées. Vous allez voir que ça va aller plutôt vite finalement. Donc là tout de suite, on n'attend pas, on perd pas de temps. Ouais c'est bon, j'ai lassé. Fais la masse de Soulcœur puisqu'ils peuvent... ils sont anti-aériens et terrestres en même temps. Alors... Ça c'est très très pratique. Ah par contre ça va pas là, il pète tout là, allez où la probe. On va aller reconstruire ça. Allez, finissez ça, ok. C'est bon, ils reviennent là. Ah ouais, voilà, maintenant ça va s'intensifier. Donc ce qu'on va faire c'est que vite vite vite. Tac, on remet des tourelles. Vous n'avez pas assez de minerais. Ah j'ai pas assez de minerais hein. Ça coûte cher ces merdes là hein. Voilà. Voilà, alors ça normalement on est censé avoir le temps. Ah et par contre il ramène voilà, la cavalerie lourde. Non c'est bon. Heureusement les phénix c'est très puissant. Très 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 puissant. Ah merde. Oh. Oh yeah. Ok. Ok, on se concentre sur les hybrides. J'espère que Zeratul il est pas décédé normalement, non? Ah, putain de vortex. Ok, non, c'est bon. Oh, regardez ça, c'est pas beau ça. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Il a tout compris en fait. Hein. Non, mais voyez, c'est. C'est vraiment magnifique. Des dislockers d'élite comme ça, c'est beau. Hein. En général, de toute façon, les unités d'élite, j'ai toujours trouvé ça super classe, ce qui est logique. On rajoute des petites tourelles. On va pouvoir embaucher d'autres stalkers. On va remettre des tourelles là, par contre. Oh là là. Ça fera l'affaire. J'espère qu'ils vont attaquer ici, parce que sinon... Attendez, ah merde, j'ai pas d'observateur. Ah, mais il s'est fait tuer, d'accord. Je suppose. Ici on s'est pas encore fait attaquer, ça m'étonnerait pas. Hein. On va rajouter deux tourelles ici, voilà, comme ça on sera tranquille pour la prochaine fois. Est-ce que j'ai assez? On va peut-être essayer de commander d'autres stalkers, une petite vague de stalkers. Hein. Ah mais c'est bien, la zone est entièrement couverte de champs d'énergie. Pour transférer c'est pratique ça. Ok, petite probe qu'on va placer ici et je sais pas ce que font les zergs. Alors petit temps de pause. Tranquille, il reste 14 minutes, on est pépère. On voit ça tranquillement. Bon bah on peut en profiter pour parler. Oh putain, oh là là, je le sens pas. À la fin, Omégalisque. Putain, alors ça va faire mal les enfants. Ça va falloir faire gaffe. On va se prendre ça sur la gueule. On va souffrir. Je vous le dis. On va souffrir. Je vais refaire des stalkers. Et quand j'y pense, j'ai pas fait les améliorations à la forge. Je dis ça après avoir fait des stalkers. Ah, voilà, ils se ramènent là. Ok. Je ramène les stalkers. Ah, les 10 stalkers, allez-y. Hein. Wow. Wow, 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 la grosse baston. Et je vois que mes tourelles ne font pas long feu. Est-ce que j'ai une deuxième? Non. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas deuxième forge. Ouais, bon, bah tant pis, écoutez. Hein. Ouais bon bref, on va pas se faire chier à...
à faire toutes les améliorations là, vu tout ce qu'on a. Par contre, voilà, la petite prop, elle est où? Ah, elle est là, merde, je l'ai sélectionnée. Tac, petite prop d'entretien, hop, elle sait ce qu'elle a à faire. Tac, on rajoute 2-3 tourelles, voilà, comme ça. Vas-y, vas-y, hop, une tourelle là. Vous n'avez pas assez de minerais. Et voilà, là on est nickel, j'ai envie de dire, on est nickel. Alors maintenant, ils sont, voilà, ils vont se ramener ici. On est bien préparé, on les attend. On va mettre un petit, s'il veut bien, avec notre, bah je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un templier. Ouais. Tac. Ça je sais pas ce que c'est un ravageur hybride, ça doit être un truc dégueulasse. Et voilà comment on se débarrasse d'une vague zerg avec des hybrides, c'est pas compliqué. Par contre on peut voir qu'ils nous ont détruit deux petites tourelles. Ça va pas le faire ça. On reconstruit. Ah mais j'avais pas. Ah merde, ils reviennent. Notre base est attaquée. Hop, on met autant de tourelles qu'on peut. Hop, voilà, c'est bon. Et ils font chier avec leur mutalisque là. Bah attendez, on ramène les phénix. Tac. Hop, voilà, ça c'est fait. Ils ont pas compris. Ah merde. Oh. Ah, ça va commencer à devenir un petit peu chaud là. On va laisser eux ici, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on a assez pour engager une nouvelle vague de stalkers? Ouais. On va faire ça. Ah, ils ont tout pété là. Ils ont tout pété. Alors, est-ce que la probe se répare ici? Ouais. Alors, la probe. Alors, je vais te donner du boulot, ma cocotte. Tu vas aller là, voilà, tranquillement. Nickel. Vas-y. Ok, bon, c'est pas grave. Elle a fait tout le tour. Et là, tu vas aller me construire des tourelles parce que là, ça va pas. Ah merde, ça va pas le faire ça. Ici, on va avoir une brèche et ça va être chaud pour repousser les assaillants. Va falloir que je renforce la sécurité par ici. On est à 72 ennemis tués. Amélioration terminée. Et le but, c'est d'en tuer 1500. Ouais, ça va être chaud. Il nous reste 10 minutes. Eh mais attendez, je suis pas un petit peu con là? Vous n'avez pas assez de minerais. Pourquoi je reste terré dans ma base moi? Nous sommes. Je peux pas aller là? Attendez, est-ce qu'il... Ah ouais merde, il me voit. Oh là là. Ah ouais merde, il me voit. Non. Oh putain, j'ai échappé là. Ouais non, ça risque d'être un peu chaud patate. Non bah écoutez, ouais, je pense qu'il faut qu'on reste là. Mais c'est ça, à mon avis à la fin ils vont envoyer le gratin. Mais non. Mais oui. A tous les coups ils vont faire du Nidus, c'est obligé. Voilà. Et ben voilà, tellement prévisible. Sauf que le truc il s'est fait démonter. Ah ah ah. Tellement prévisible. Ah mes pauvres zergs. Vous n'arriverez jamais à rien dans la vie hein. Alors hop. Tac. On construit des tourelles. Tac. Voilà. Ouais écoutez, ça c'est qu'un détail les amis hein, regardez hein. Hop là. Ah la probe. La probe on l'a fait se barrer. Oh oui, ça j'aime, regardez-moi ça. Ça c'est pas beau ça. Ça c'est pas beau ça, hein. C'est quoi ça, c'est pas magnifique un peu? Ah là là. Regardez-moi ça, une... Un 10... non ça c'est quoi, c'est une... Je sais pas, c'est une frégate ça, un porte-nef d'élite. Et c'est une femme Protoss. On n'avait pas encore vu ça depuis le début du jeu finalement. Je crois que là, voilà quoi, hein, pour qu'ils arrivent à nous... Voilà. Ça va être un petit peu dur pour eux. On va continuer d'embaucher. Ok, ça c'est fait. La petite probe, elle est là. Là, elle va... Allez, on va les renforcer ici. On va rajouter 2, 3... 3, 4 petites tourelles. Voilà, ça devrait le faire gentiment, ça.
justice soit faite. Et je suis toujours malade. Attendez, c'est moi ou y'a rien là? À moins que... Non, c'est bon, c'était caché. Résultat, la probe... J'ai perdu là. Ah non, c'est bon, la probe elle est là. Ah, il se ramène par là. Allez, regardez ça, ce barrage de tourelles. C'est pas beau ça? À tel point que mes unités n'arrivent même pas à aller... à les approcher quoi. Ah, il faut défoncer l'hybride par contre. Hein. On focus l'hybride qui est... En fait, je comprends pas trop à quoi ils servent les hybrides parce qu'en fait, on les démonte en 2 secondes. Ah, je suis d'accord, hein, Jean-Pierre. Là, tout à fait, tu as tout à fait raison. On va rajouter des petites tourelles. 2 petites tourelles là. Tac. Ah, ils sont chiants à bloquer. Voilà. Alors là, j'ai ramené toute l'armée ici parce que normalement ils sont censés attaquer. Je me demande quand ils vont ramener les omégalisques. Bon, c'est pour bientôt. Hein? What? Oh putain, ils ramènent les Broodlords. Oh les mecs! On va souffrir. Là, on rassemble tout. Et on fait pas. On arrête de faire les autruches là, les mecs. Hein? Oui, j'aime bien cette expression. Tac, on va faire ça. Par contre, j'ai. Non. Non, 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 ok, bah la production à l'infini, écoutez, hein. Ouais, vous voyez, Ah non, c'est pas l'infini, mais... Ouais, ouais... C'est bon, ils sont plaît sur le côté, et à peine, hein. Ah, ils essayent, ils tentent, ils sont originaux. Ah, ils ont ramené les ultralisques. Là, je dis pas, par contre. C'est quoi, ça? On défonce les Broodlords. Oh, les pauvres, hein. Non, les pauvres zergs là, ils sont dépassés là. C'est triste pour eux. Regardez-moi cette masse de. Ah merde, là par contre. Hop, ici. On ramène tout. Là vraiment, faut être rapide et réagir, hein, parce que on n'a pas le temps sinon. Oh, bah regardez-moi la thune que j'ai quoi. On va embaucher, hein. On embauche. Voilà, bah, je crois qu'ils peuvent ramener l'armée, enfin la population zerg entière. Je vais juste les démembrer. Y a pas d'autre mot. Voilà. Ok les mecs, bah ramenez qui vous voulez, hein. On peut se faire un duel si vous voulez. C'est pas de problème. Moi je suis dispo. Où se cachent nos ennemis? Excellente question. Il reste 5 minutes. On est qu'à 630 ennemis tués. Alors là par contre je comprends pas vraiment pourquoi faut qu'on tue 1500 unités. Au pire c'est pour la recherche, on s'en fout, ça nous fait que gagner des crédits en plus, c'est plus un problème, on n'est plus obligé de remplir exactement. Par contre ça peut nous faire des hauts faits, c'est ça que... Le truc auquel j'avais pas pensé, bon c'est pas très grave. Bon là ils peuvent rien faire de toute façon, regardez on a des tours limite... Ah non j'avais oublié que les tours elles ne s'améliorent pas en attaque les tours. Ah oui, ça c'est... Ah, mais j'avais pas vu aussi, on a les... On a les héros ici. Ok. Votre commencement, je serai votre fin. Opa ! Ah, il se ramène là. Ok, c'est bon. C'est grillé. Ah, par contre, il y a une petite entrée. Alors là, ouais, c'est ça... Envoyez les Zerglings les mecs, hein. Vous pouvez toujours essayer. J'ai l'impression que le compteur il monte pas très vite, c'est ça qui est un petit peu bizarre. D'accord, en fait le... Ah ok, d'accord. Il ramène des Zerglings bah, jusqu'à la fin quoi, hein. C'est ça votre technique les mecs? Pas très au point dites-moi, hein. Ah non c'est bon, ça commence à être varié. Ok. En tout cas, vous êtes incroyablement prévisible, les gars. Vous attaquez à chaque fois d'un côté différent. 1, 2, 3 sans. Ah oui, d'accord. Ok, faut que j'arrête de dire de la merde parce qu'en fait, je vais me faire ken. Vos guerriers ont engagé le combat. Oh. Ah oui, flûte. Oh, ça c'est pas grave. Oh, ça c'est qu'un détail, ça. On va embaucher. Tac. On sélectionne toutes les casernes. Ici, au cas où on se fait attaquer.
base est attaquée. Voilà. Je suis là. Voilà, 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 voilà. Bon, ok, bah voilà, on a repoussé. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, ça. Hop. Oula, non. Là, j'ai pris tous les dislokers. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ouais, ok, il commence à nous attaquer ici. Les pauvres, quoi. C'est presque dégueulasse pour eux, parce que c'est limite de la triche, quoi, tellement je suis un gros porc. Oh là là. Les pauvres. Voilà, je renforce. Vous voyez quand même qu'au fur et à mesure, on a reculé. Hein. À la base, on est censé être aux portes. Là, les tourelles ont reculé. Non, mais c'est choquant, là. C'est choquant, c'est choquant. Quoique, on peut peut-être arriver... Non, si, on va peut-être arriver au 1500. Hein. Allez, hop. On ramène tous les mecs. Non, qu'est-ce qu'ils font, eux? Hop, on revient. On se casse pas d'ici. Vous avez une base à défendre, les types. Je vous paye pour ça. Hein. Enfin, je sais même pas si je vous paye d'ailleurs. Ok, bon, bah voilà. Ce fut bref. Allez. Je suppose que là, ça va être la dernière vague. Hein, si j'en crois le compteur. Tac. Alors, toi, tu vas rentrer. On va remettre des tourelles. Tac. Et qu'est-ce que vous faites, les mecs? Allez-y. On va aller faire un petit peu de réparation, là. On va rajouter... Ouais, non. Bon, là, c'est bon. Ouais, bon, en fait, non. On va laisser comme ça. Regardez-moi, c'est déjà saturé de... Allez-y, défoncez-les. Putain, je sais pas combien il a créé de ces hybrides de merde, mais bon, en tout cas, ils sont un petit peu nuls, hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein, après. Par contre, ici on va renforcer, ouais. Ce serait peut-être une bonne idée. Tac, 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 tac. Voilà, ça me semble parfait. Et elle s'est coincée. Non, reviens. Reviens, Michel. Voilà. Non. Si, attendez. Attends. Hop. Voilà. Ah merde. Non. Oh, je l'ai placé au mauvais endroit. Attendez. On va refaire ça correctement. Vous voyez. Ah, oh, mais quel con. Ah, j'en ai besoin de cette probe, hein. Bah, si. Pour l'instant, si. Ah là là. Par contre, j'ai... Ah bah ça y est. C'est bon, les mecs, ils envoient la cavalerie lourde. Profitez du... Ah merde, ça par contre, c'est pas prévu. Oh, attendez. Oh putain, attendez. Oh. Ok, on revient là-bas. Hein. On panique pas, voilà, tout se passe bien. Flûte. Ah, les pauvres Nidus, ils se font déglinguer par les tourelles, tu sais. Ok, bon, ça sert à rien, hein. Ils sont drôles, les pauvres. Ok, leur plan d'invasion a échoué, hein. Je pense qu'on va... Ouais, finalement, on va arriver au... Attendez, mais alors ça va se finir quand là? Parce que j'ai un doute là quand même. On va aller détruire ça. J'espère que ça va pas durer encore 50 ans tant que je les aurai pas détruits. Ce serait un petit peu con quand même, non? Hop, voilà, on sélectionne ça. On va refaire des unités, écoutez, hein. Ah merde, ah bah putain, bah, je suis arrivé au max. Bah, je suis tellement pété que je suis arrivé au max, ouais. Ah bah voilà, il se ramène là. Ok, les mecs, j'arrive.
Ouais, faudrait déjà que vous arriviez à passer quoi. Ah, flûte. Ils attaquent de l'autre côté, les mecs. Putain, mais ces tours sont vraiment exceptionnels, hein. Ça fait beaucoup de dégâts. Heureusement qu'on améliore l'attaque des unités terrestres aussi. Ah, les hybrides. Non, c'est... Voilà, c'est eux. On envoie les phénix pour les Broodlords. Vous voyez, ça fait du dégât, hein. Y a rien à dire. Ça fait pas long feu, hein. Voilà, bon, alors c'est quand que ça termine? Parce que ça fait un petit peu de temps qu'on y est quand même là-dessus, non? Ah bah alors si on est la lumière du Kala, alors là, moi je dis... Oh, mais il y a plus de tourelle ici. Elle est où la probe? Oh non, elle est pas morte. Eh non, elle est là, regardez. Et on va se réavancer. Enfin, c'est un bien grand mot. Hop. Elle va nous faire toutes les petites tourelles. Voilà. Comme ça, tout comme il faut. Alors on va faire oh les, on est des fous. Dépense dans la tourelle. Alors là les mecs, s'ils arrivent à passer, c'est qu'il y a un problème. Et un gros problème. Voilà. On va se marrer. Ah bah ça y est, ils ramènent des types. Oh non, attendez les mecs, attendez que ça se termine. Non, n'entrez pas tout de suite. N'entrez pas tout de suite. Non. Non, putain. Ça, c'est une erreur de ma part. On va envoyer les unités aériennes. Voilà, c'est bon. On peut les faire reculer et se marrer un peu. Admirez le spectacle, hein. C'est exclusivement pour vous. Vous ne verrez pas ça deux fois dans votre vie. Ah merde, ils attaquent là aussi. Eh hey, mine de rien, c'est... Oh là, oh là, oh là. Oh, oh, oh. Ah, c'est vrai que là, ça devient un peu chaud niveau gestion de l'armée. Nos sondes sont... Oh, ils se ramènent là-bas. Tac, on ramène tout ici. Ah bah ma probe qui faisait l'entretien des trucs a été décimée, hein. Alors attendez. Les gars, j'ai juste envie de dire, je ne sais... Ah si, point de sauvegarde atteint. D'accord. Oh, oh les mecs, ça va être drôle. Ah oui, oui, flûte, flûte, flûte. Le temps nous est compté. Ah merde, 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 merde. Vous qui êtes présents ouais, ici, ouais, deux secondes. Côte à côte, vous êtes tous ce qui reste de notre peuple et de notre civilisation. Ah ouais, carrément. Les uns dans les autres. Frappez avec une même volonté. Que notre ultime bataille... T'inquiète pas, Robert. ...si lumineuse que l'éternité ne suffira oui. pas à nous faire oublier. Oh yeah! Regardez-moi ça, grâce à ce vaisseau mère, ils sont tous camouflés. Si ça c'est pas OP. Attendez, si ça c'est pas OP, les mecs, c'est, je sais pas ce que c'est alors. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils foutent. Revenez vous battre, les mecs. On va les poster ici. Les guerriers ont engagé le combat. Eh ouais, mais putain, elle est butée, eux. LOL. Vous voyez, si on était en multijoueur, ben... Bah, les types, ils verraient rien. Comment ils en chient, les pauvres ergs. C'est navrant. Ah, c'est navrant, les amis. Ils peuvent rien faire, puisque... Ils sont camouflés, les types. Ils peuvent rien faire, les pauvres. C'est vraiment craqué, ce vaisseau. Hein. C'est bon, leur savoir a été conservé. Bah, je pense que ça va être le dernier, et à partir de 1500, on pourra se casser. Hein. Enfin, j'espère. Hein. Au pire, je couperai, hein, j'ai envie de dire. Et je vous laisserai le...
la fin de la mission. Bon, on va voir. On va attendre la dernière vague. Rakenvayash, oui, tout à fait. Et putain. Mais non, ça c'est car. C'est dans ta tête, j'en dis. Voilà. Attends, on va juste le ramener un tout petit peu plus là. Voilà. Ah ah, tu peux plus rien faire maintenant, trou du cul. Ah mais merde, ils ont ramené des... Ah, oui. Ah bah voilà, c'est terminé. C'est terminé. Ah non, c'est terminé ou... Qui aurait pu faire obstacle à mon grand plan. Mais dans votre inconscience, vous l'avez prise pour la véritable menace. Je me demande qui c'est cette voix sombre. Ah non, c'est pas terminé. D'accord. C'est pas encore terminé les mecs. Bon bah là par contre on commence à se faire attaquer de tous les côtés. Bon je pense qu'en fait on... C'est scripté hein, on est voué à perdre hein. Sans vous mentir je pense que c'est ça. De toute façon c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors je vois pas pourquoi ce serait autrement hein. Allez. Voilà. Lolololololol. Les mecs, tu sais. Ils sont censés crever, ça fait genre. Je sais pas combien de temps qu'ils sont là à résister. Les... Oui, oui, nous vaincrons. L'aube viendra. L'aube viendra. Ah, ben voilà. Il se ramène là. Allez, c'est parti à la Bastos. Mais est-ce qu'on va crever un jour ou pas? Parce que... Vraiment, je me pose la question, les amis. Hein. Là, je doute, là. Là, je ne sais plus, là. Putain, mais... Hey, mais laissez-nous crever, quoi. Ou alors, je sais pas, rendez-vous, mais faites quelque chose. Champ de minerai épuisé. Notre but étant de survivre jusqu'à la mort, enfin de tenir jusqu'à la mort du dernier Protoss. Mais là, on n'est pas bien parti, hein. Ça va être chaud là quand même. Hein. Je vous cache pas que ça va être un petit peu dur. Hein. Allez, c'est parti. Je crois qu'à la base, c'est mes tours qu'ils ont pas aimé. Ça aurait dû durer moins longtemps en fait. C'est que mes tours en fait, ça les a bien ralentis. Allez les mecs quoi, je sais pas. Envoyez vos omégalisques à la con là. Bon les amis, écoutez. Ah, ils ramènent les chancres. Mais faites une triple attaque, je sais pas. Mais rendez-vous utile les mecs. Ah bah voilà, champ de minerai épuisé. Bah je pourrais plus faire d'unité de toute façon. Ah bah ça, j'ai 6000 de tuiles, de toute façon je suis un richous en plus alors. Ah par contre la population, ah bien. Bon écoutez, on va plus faire d'unité, voilà comme ça hein. Tenir jusqu'à la mort du dernier Protoss, on est voué à mourir. Ouais, ils vont pas nous casser les couilles longtemps hein. Au pire je pense, ce que je vais faire c'est que... Ah j'hésite. Non, écoutez les amis, je vais rester jusqu'au bout et puis au pire je couperai au montage. Je vais rester jusqu'au bout. Je vais rester jusqu'au bout. Ah bah voilà, les ramène. Ah non, en fait non. Non, je les connais en fait, ils ramènent rien. Ah si, par contre. Si, en fait ils sont... Ils ont toutes les améliorations au maximum en fait. Ouais, il commence à devenir puissant. Et vous voyez que la population a un petit peu, comment dire, carrément baissé. Bon, en fait, on va crever, quoi. Bon, voilà, écoutez, ce qu'on va faire. On va même ramener les probes. Oh, ce serait gagné drôle. Oh là 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 là. J'ai tellement d'idées. Champ de camouflage.
En tout cas, c'est une mission, comment dire, super intéressante. Oui. On s'amuse beaucoup entre les temps, quoi. Voilà. Ah là là. Ça, c'est parce qu'on est en mode... Faut savoir qu'on est en mode normal. Si on était en mode extrême, quoi, ils nous laisseraient pas le temps. Ah ben voilà, ils ont compris le système, les mecs. Ouais, voilà, de toute façon, je suis voué à mourir, alors. Ça sert à rien que je refasse des unités, hein, autant finir tout de suite. Je suis sûr que... Vous voyez, je suis sûr qu'il y a un haut fait, tuer 2000 unités. Vous allez voir, ça va être ça. Pourquoi ils mettent pas du Nidus, là, par exemple? Allez, ils pourraient se rendre intelligents, quoi. Butez-moi ça, là. Nous repousserons. Alors, lui, il a une voix un peu spéciale, mais... Il est déterminé, hein, c'est faut le remarquer, ça, c'est... Ah. Face au messager, mais d'un nouvel âge. L'autre, tu vois, il est toujours là. Bon, bah, écoute, Jean-Guy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Votre base quoi, est c'est... attaquée. Hein? Ah, bah voilà. Votre base est attaquée. Ok. La base est attaquée, mais non, non, tu vois bien qu'on résiste. Ah, quoique. Ah, au fait obtenu. Bon, ben voilà, là, c'est bon, là, je crois que c'est la fin. Enfin. Voilà, j'ai plus d'unité terrestre. C'est simple, j'ai plus d'unité terrestre. Sauf que ça veut dire qu'ils vont en chier grave pour tuer mes unités aériennes. Oh là là. Tuez-moi ces hybrides. Ah putain, ben c'est pas trop tôt, hein. Notre base est attaquée. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tôt. Ben attendez, ramenez-vous les gars. Youpi. Ah ben voilà, maintenant il y a des météorites. Ah, c'est bon. Ouais d'accord, des météorites qui envoient des tumeurs. Ah ouais, comme ça. Je savais pas que ça c'était possible. Bah oui, on apprend pas la même chose. Ah, ils y arrivent pas, hein. Ils en chient, ils en chient. Ah, des mutalisques, peut-être. Ah, oh, mais je les démonte, les mutalisques. Ah, et des corrupteurs aussi. Le truc, c'est que je comprends pas, ils sont améliorés au max, mais ils arrivent pas à me... à me tuer. Là ils peuvent rien faire, je suis invisible. Votre base est attaquée. Ah ah, ils ont compris qu'il fallait aller dans la base. Bon ça va, au final ils sont pas si cons que ça. Non je déconne, c'est des gros teubés. Mais ils ont pas encore compris. Non, ils comprendront pas de toute façon, hein. Bref, on a quand même cumulé un total de 1800 unités, ce qui est plutôt pas trop mal, hein, au final. Enfin pour moi chaud, hein. La 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 la. Ah, notre petit phénix est perdu. C'est marrant, une mission faite pour perdre en fait. J'avais encore jamais vu ça. C'est marrant comme concept en soi. Faire une mission que vous êtes voué à perdre. Parce que c'est scripté. Voilà, moi j'aimerais bien changer le passé, tu vois. Truc très possible. Allez, on va créer un vortex. On va voir ce que ça fait. Youhou! Alors, le principe du vortex, c'est d'aspirer toutes les unités aux alentours pour les empêcher d'attaquer. Ça ne les tue pas, bien sûr. Hein. Enfin, ça leur. Attendez. Ouais, voilà. En fait, on peut pas les tuer, mais elles peuvent pas attaquer. Et ça c'est très très pratique et ça dure très longtemps. Et après elles sont rejetées comme ça. Oh putain. Je retourne. Allez, ça va être terminé. Ah, ils se barrent en même temps. Mais non. Ah bah ça y est, ils sont morts. Enfin. Bah voilà. Ah bah là. Pardonnez-moi, Grand Asadar. Je n'ai pas été assez fort. Ouais non mais c'est bon, je retiens, hein.
T'es déjà fiché là dans le... Kerrigan. Allez les probes. Ah bah justement tu devines pas. Le dernier pylône les mecs. Enfin. Voilà c'est terminé. Ah bah c'était long dis donc. Piu. Ça finit bien que ça s'arrête. Oh, 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 il commence à créer des trucs bizarres. Hein? La voix sombre. Ah. Il a des yeux très rouges. Deux au fait. Yeah. On en a gagné un pendant le jeu. C'est génial. Trois au fait même. Yeah. Ça c'est bon. Piou. Bah ça aura duré longtemps hein. Oh là là. On dirait un peu le cinquième élément. La planète qui... C'est bizarre là. C'est marrant. Bon le cinquième élément. Le film le plus vieux du monde. Non je déconne. Est-ce qu'il commence à faire nuit dis donc dehors. On va sur les 19h30. Laboratoire de l'Hyperion. 4h46. Ami Raynor, vous êtes désormais le témoin de la vérité. Il y a une présence malveillante dans le vide qui cherche à détruire tout ce qui nous est cher. Est-ce que ce déchu pourrait être un Xel'Nagar? Après si longtemps, se pourrait-il que eux-mêmes recherchent notre destruction? Eh ben peut-être. J'ai peine à le croire. La méprisable reine des lames empêchera la destruction de tout ce que nous connaissons. Raynor. Ah, ok. De Kerrigan entre vos mains. Je sais seulement qu'elle doit vivre. Faites attention, vieil ami. La meute du vide est en chasse. Ah, j'ai compris. Le maître, en fait, la voix sombre, c'est pas le maître esprit. C'est une créature chelou, en fait. Et le maître esprit, en fait, c'est ça qu'il a vu. Il a crié Kerrigan pour sauver de cette voix sombre bizarre, en fait, qui va tous nous détruire. En tout cas, voilà, c'est terminé, les amis. Purée, bah c'était long. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.